Je suis originaire de Madawaska, en Ontario. C'est pour cette raison que j'aime le plein air et que je visite le parc Algonquin constamment pendant les vacances d'été. Cette histoire s'est déroulée en mai dernier, peu après mon retour de l'université dans ma ville natale. Je n'avais pas exploré le parc depuis les vacances d'hiver, alors j'avais hâte d'y aller après avoir vu ma famille et déballé mes affaires. Les jours suivants allaient être extrêmement pluvieux, mais je m'en moquais. Le lendemain de mon retour à la maison, je me suis rendu en voiture dans le parc et j'ai décidé de faire une randonnée sur le sentier du lac Misi. Il s'agit d'un sentier d'environ 12 km qui fait une boucle entre plusieurs marais, lacs et zones humides. Je suis arrivé au début du sentier et je me suis mis en route. Il avait commencé à pleuvoir assez fort, plutôt dans la matinée. Il faisait assez froid, environ 8 degrés Celsius, ce qui est plus froid que la moyenne à cette époque de l'année. Ce n'était pas grave, car j'avais mon imperméable. Les deux premières heures ont été assez normales. J'ai vu un original dans la limite des arbres au lac Misi. Lorsque j'ai atteint l'étang Wolf Hall le long de la voie ferrée abandonnée, les choses ont commencé à se gâter. Je ne sais pas pourquoi, mais la température a semblé chuter très rapidement. J'avais l'impression d'être dans le négatif. Au loin, j'ai vu un autre randonneur marcher dans ma direction. Je n'y ai d'abord pas pensé, mais comme elle se rapprochait, j'ai vu que c'était une jeune fille qui avait l'air d'avoir environ 9 ans. C'était assez bizarre, elle était toute seule. Elle ne portait pas non plus de vêtements de pluie. Elle avait juste un sweat à capuche complètement trempé et un sac à dos. Elle était assez pâle et tremblait beaucoup. Lorsque nous nous sommes rencontrés, je lui ai demandé où étaient ses parents. Elle n'a pas répondu verbalement, mais a simplement haussé les épaules. Je lui ai demandé s'ils étaient devant elle la dernière fois qu'elle les avait vus, et elle a acquiescé. C'était bizarre, parce que personne ne m'avait dépassé sur le sentier. Je n'avais vu personne d'autre. S'ils étaient montés avant elle, je les aurais dépassés avant de la retrouver. Je suppose qu'ils ont pu prendre un virage lorsque le sentier a rejoint la voie ferrée, mais le reste de la voie ferrée ne va vraiment nulle part. Je lui ai donné mon imperméable supplémentaire, un petit camouflage compact que j'ai toujours dans mon sac et que j'utilise pour la chasse. Je lui ai également donné une couverture d'urgence pour conserver la chaleur. Je lui ai dit qu'elle devrait venir avec moi au départ du sentier, car lorsque ses parents s'apercevront de sa disparition, c'est probablement là qu'ils iront. Ça me permettrait également d'avoir une meilleure réception cellulaire et d'appeler quelqu'un pour obtenir de l'aide. Elle a acquiescé et nous nous sommes mis en route. Environ 2 secondes plus tard, j'ai tourné la tête pour lui demander son nom, et elle avait complètement disparu. J'ai été choquée pendant quelques instants. Il n'y avait aucun endroit où elle pouvait aller. Nous étions sur un sentier surélevé, une ancienne voie ferrée, avec de l'eau des deux côtés. Il n'y avait pas de forêt, et je n'ai pas entendu d'éclaboussures. J'ai vérifié les deux fossés 3 fois dans ma confusion. La petite fille a disparu dans la nature et a emporté ma veste de chasse préférée. J'ai signalé l'incident aux autorités du parc, mais ils n'ont pas semblé le prendre au sérieux. Personne ne me croit. Je vis à Norwich depuis environ 8 ans maintenant. Je suis généralement sceptique à propos du paranormal, faisant de mon mieux pour trouver des réponses logiques. J'essaie de ne pas laisser mon esprit croire qu'il pourrait y avoir des forces plus sinistres dans notre monde qu'il n'y paraît, mais je ne peux toujours pas expliquer ce que j'ai vu ce soir-là.
Ça s'est passé il y a environ 4 ans. J'habitais de nouveau avec ma mère, après avoir vécu avec une tante à cause de problèmes familiaux. Moi et mon meilleur ami d'enfance, on traînait dans ma chambre à jouer à Borderlands 2. On s'était couché tard pour essayer d'obtenir des équipements légendaires à utiliser contre Terra Morphous. Nous avions joué pendant environ 3 heures d'affilée, et il était environ minuit lorsque nous avons décidé de demander à ma cousine plus âgée si elle voulait faire une promenade avec nous dans le quartier. Ce n'était pas quelque chose que nous n'avions jamais fait auparavant. Nous adorions nous promener dehors la nuit. Il n'y avait pas de voiture pour nous empêcher de marcher sur la route, personne pour nous juger parce que nous rions fort et faisions de mauvaises blagues. Mais cette nuit-là, il s'est passé quelque chose de différent. Ma cousine a dit qu'elle viendrait avec nous, et nous nous sommes tous préparés. Pendant les 10 premières minutes, tout était normal. Nous marchions et écoutions de la musique sur l'enceinte Bluetooth de mon amie. Ce n'est que lorsque nous sommes arrivés sur la route menant à une autre partie de notre quartier que les choses ont semblé anormales. Mon ami avait chargé son enceinte pendant des heures avant notre départ, mais après avoir tourné sur cette route, elle s'est éteinte et n'a pas voulu se rallumer. Elle n'a même pas émis le bip que font la plupart des appareils Bluetooth lorsqu'on les allume pour les associer à quelque chose. Nous étions confus, mais pas encore effrayés. Nous avons continué à marcher pendant encore 5 minutes avant que je ne réalise qu'aucun des réverbères n'était allumé. Je l'avais fait remarquer aux deux personnes qui m'accompagnaient, et cela semblait effrayer ma cousine. Elle a commencé à dire qu'elle avait l'impression que nous n'étions pas censés être là et que nous devions rentrer chez nous. Moi par contre, voulant frimer, j'ai dit qu'il fallait continuer et que la ville avait probablement juste besoin de réparer les réverbères. À l'instant même où j'ai dit cette phrase, j'ai remarqué que plus loin sur la route, un réverbère était allumé, une seule lumière. Mais ce n'était pas le pire. Quand nous avons regardé sous celui-ci, il y avait une silhouette noire. Ce n'était pas une personne. Elle n'avait pas de vêtements ni de visage. Juste une forme très sombre. Et le plus étrange encore, c'est que cette chose avait l'air de danser, si on peut appeler ça de la danse. Elle agitait ses bras dans l'air, lentement et méthodiquement, tournant et tordant tout son corps, en faisant de grands pas. Elle ne quittait jamais la lumière. C'était comme si elle voulait que nous la voyions. À ce moment-là, ma cousine a poussé un cri à glacer le sang. Puis mon ami a jeté son enceinte Bluetooth par terre, et nous nous sommes tous enfuis. Nous avons sprinté tout le long du chemin. Une fois rentrée à la maison, je me suis penchée complètement essoufflée. Ma cousine était hystérique, sanglotant bruyamment et de manière incontrôlable. Mon ami était tout pâle, essayant de se forcer à ne pas vomir. Nous étions tous sous le choc, car nous savions que ce que nous avions vu sous le réverbère n'était pas normal. Après cet incident, je n'ai plus jamais mis les pieds sur cette route la nuit, et si je dois sortir très tard, je prends toujours le chemin le plus long pour rejoindre la route principale. En tout cas, je ne sais toujours pas expliquer ce que ma cousine, mon amie et moi avons aperçu ce soir-là. Et j'y pense encore, mais je ne suis pas assez courageuse pour chercher des réponses dont je n'ai pas vraiment besoin. Il s'agit d'une expérience que mon père a vécue dans la trentaine, lorsque lui et ma mère venaient de se marier. Mon père a maintenant 63 ans et a été athée pendant toute sa vie d'adulte. Il n'a jamais cru à quoi que ce soit de paranormal ou de spirituel, jusqu'à ce qu'il fasse cette expérience avec ma mère au Nouveau-Mexique.
C'était en 1985. Mon frère venait de naître. Moi, je n'étais pas encore née. Il n'avait donc probablement pas plus que quelques mois à l'époque. Mes parents séjournaient dans la maison d'un de mes proches au Nouveau-Mexique pour une sorte de réunion de famille. Selon mes oncles et tantes, cette maison a toujours été un lieu très actif en phénomènes paranormaux. Et beaucoup d'entre eux ont vu et ressenti des choses depuis des années. Il était environ 1h du matin et mes parents dormaient dans la chambre d'amis. Mon frère aîné était niché entre eux et dormait profondément. Mon père avait le dos tourné et faisait face au mur. Soudain, ce dernier se réveilla en sursaut. Il venait de recevoir un violent coup dans le dos et lorsqu'il se redressa, il vit deux silhouettes sombres se tenir sur son côté du lit. Ma mère était également réveillée et avait apparemment vu les silhouettes juste avant. À ce moment-là, elles étaient au pied de son lit, et l'une d'elles se déplaçait lentement en direction de mon frère qui dormait au milieu du lit entre mes parents. Les silhouettes avaient la main tendue vers lui. Elles semblaient vouloir essayer de l'attraper. Lorsque ma mère les a aperçues effrayées, elle s'est mise à crier et pour protéger son bébé, elle avait en fait balancé sa main pour frapper le bras de la silhouette. Mais au lieu de ça, sa main l'a traversée et c'est mon père qui a reçu le coup sur le dos. Lorsque ce dernier s'est réveillé, il a d'abord pensé qu'il s'agissait de deux hommes qui s'étaient introduits dans leur chambre. Il s'est donc levé du lit et s'est précipité sur eux pour se battre avec. Il a dit que lorsqu'il a voulu donner un coup de poing à l'un d'entre eux, son bras l'a traversé très lentement, comme s'il frappait quelque chose sous l'eau. L'instant d'après, ils avaient disparu de la pièce comme par enchantement. Après ça, mes parents étaient tellement effrayés qu'ils ont emballé rapidement toutes leurs affaires et ont roulé pendant 6h30 jusqu'à Denver, où ils sont rentrés vers 7h30 du matin. Ils étaient à ce point terrifiés. Mon père et ma mère étaient tous deux des gens sincères, et je sais qu'ils n'inventeraient jamais une chose pareille, alors je les ai toujours crus. Ma mère n'est plus en vie aujourd'hui, elle est décédée en 2008. Mais lorsqu'elle a raconté l'histoire, elle a dit qu'en y repensant, peut-être que les entités étaient ses grands-parents, car ceux-ci étaient décédés quelques années avant l'incident. Elle pense qu'ils voulaient voir mon frère parce qu'il venait de naître. Mon père, par contre, pense que c'était des êtres maléfiques, ou je ne sais quoi, qui étaient venus pour mon frère dans l'intention de lui faire du mal. Il y a 2 ans, je suis allée rendre visite à mes grands-parents pour la première fois depuis des années. C'est une petite ville, et la maison est située sur une colline qui s'étend sur un terrain ouvert. Quoi qu'il en soit, il faisait nuit, et tout le monde était dans la cuisine ou dans la chambre à regarder la télévision. Je devais aller aux toilettes, et les seules toilettes étaient à l'extérieur. Alors j'ai pris mon téléphone. Soudain, j'ai vu le chien noir des voisins qui vient jouer avec nous pendant la journée. Seulement, c'était bizarre qu'il soit dehors la nuit, surtout que toute la propriété est entourée d'un mur en béton surmonté d'une haute clôture métallique pointue. Les deux seules portes accessibles se verrouillent au coucher du soleil. Il n'y avait donc aucun moyen pour qu'il entre, puisque mes grands-parents et ma famille en visite se sont assurés de mettre tous les animaux à leur place avant de fermer les portes. Les portes sont toujours fermées à moins qu'un visiteur ne vienne, ou pour permettre aux chiens de mes grands-parents d'aller jouer sur le terrain, à l'extérieur de la propriété avec le chien. Mais revenons à l'histoire. Je me dirige vers les toilettes, et le chien apparaît derrière. Il remuait la queue
et faisait ces bruits d'allaitement que font les chiens lorsqu'ils sont heureux de voir leur maître. Je commence à marcher vers lui et je vois qu'il est tout excité, qu'il vient vers moi et je le caresse. Même si c'était bizarre qu'il soit là à cette heure de la nuit, je me souviens juste avoir pensé que c'était bien que ce chien vienne jouer. Puis, étrangement, il commence à s'éloigner de moi pour retourner derrière les toilettes. Je le poursuis en me disant que je vais appeler les voisins pour leur demander s'ils veulent venir le chercher ou s'ils viendront demain matin. Leur maison est proche du bas de la colline, à environ 15 minutes de marche. Je n'allais pas marcher seule dans cette ville que je ne connais pas. Mais voilà qu'à mi-chemin, j'ai eu une sensation bizarre et je me suis arrêtée. Je le vois debout en train de me regarder et comme je suis bête, je fais quelques pas vers lui en lui tendant la main et en l'appelant par son nom Blacky. Et là, il commence à reculer lentement sans cesser de me regarder droit dans les yeux. La façon dont ce chien me regardait fixement m'a donné la chair de poule. Il a lentement continué à reculer dans l'obscurité. Et comme je ne le voyais plus, alors j'ai allumé la lampe de mon téléphone et j'ai regardé autour de moi. Je ne le voyais pas. Il avait disparu dans l'obscurité. Je voulais essayer de le retrouver, mais au moment où j'ai commencé à avancer, j'ai entendu un grondement bizarre, suivi d'un long hurlement qui ne ressemblait pas du tout à celui d'un chien. Parce que j'ai grandi avec toutes sortes de chiens et ce n'était pas comme ça, ça sonnait faux. Je me suis dit qu'il était peut-être blessé. J'ai fini par appeler mon père pour qu'il vienne le chercher. Nous avons scruté chaque centimètre carré de la propriété. Mais rien. Pas de chien. Les deux portes étaient fermées. J'ai eu la chair de poule après ça. Et j'ai eu du mal à dormir. J'ai entendu ce hurlement bizarre toute la nuit. Nous avons vérifié auprès des voisins le lendemain matin et apparemment, leur chien était avec eux tout le temps. Je n'aime vraiment pas la maison de mes grands-parents la nuit. C'est vraiment flippant. Toute la ville est entourée d'histoires glauques. On dit qu'il y a des créatures qui prennent la forme d'animaux ou de personnes pour attirer les gens. Même mon père a eu des rencontres bizarres avec des gens et des lumières étranges et je dois y retourner cette année. Ça me terrifie vraiment.